Nous jeudi à mercredi 9 mai 2018. Bonjour tout le monde. Nous comptons rentrer la rave. On va porter pour une troisième sortie téléjournal là pour semaine-ci là. Mais entre-temps, bonjour Ruben et bon mercredi. Bonjour Ricardine, toujours un plaisir pour nous capables ensemble. Bonjour Haïti, bonjour, bonsoir le monde. Déjà, nous souhaitons nous passer un très bon mercredi. Ricardine, bon mercredi à vous même. Merci Ruben et très bon mercredi à vous même également. Et bon mercredi avec téléspectateurs, téléspectatrices, Télévision Nationale d'Haïti. Mais entre-temps, quittez une barre au principal point cap pour faire essentiel journal là pour jeudi. Ministre de Communication Joseph Guilherme Sius Delva a annoncé plusieurs activités qu'il tirait à l'événement régulier qui pourra le faire en dans tout le pays pour capable valoriser le patrimoine culturel avec un site touristique pays. Le ministre a profité d'encourager tout le comité pilotage d'État généraux sectoriel pour capable travailler en tête ensemble. Commission économie et finance Sénat République la Chita parlé hier mardi 8 mai avec ministre économie et finance Jude Alix Patrick Salomon et ministre planification et coopération externe Aviol Florence au budget rectificatif 2017-2018 là avec dépôt budget 2018-2019 là. Forum international la femme et les pays d'Haïti qui tape déroulé dans Pétionville, rive dans Boutli, hier mardi. Plus passer 2000 femmes et les qui sortent dans différents départements géographiques pays d'Haïti te participé dans discussion yo. Et puis à l'étranger, chef en diplomatie américaine Mike Pompeo fait une visite en 9 mai en Corée du Nord pour préparer rencontre historique entre président américain Donald Trump et dirigeant nord-coréen Kim Jong-un. Voilà, c'est ensemble pour savoir qu'un pilote qui fait essentiel le journal pour jeudi mercredi. On a une vidéo qui était branchée chez Newton. On a pas tourné dans un petit moment, tant qu'il va déplacer. Merci parce que toujours été branché Télévision Nationale d'Haïti n'a pas du bienvenue dans le développement information et gens qui ont annoncé les différents titres pour nous faire connaître. Ministre de Communication Joseph Guilherme Sius Delva encourager tout membre qui dans comité pilotage là à état généraux sectoriel là pour mettre sous côté toute divergence qui était gain dans l'idée pour capable travailler dans tête ensemble. N'a pas vite suivi un bout d'intervention ministre de Communication et Culture Joseph Guilherme Sius Delva qui était dans micro d'Aline de Rival. C'est tout gouvernement qui souhaitait, c'est que Haïtiens capables de chiter ensemble, indépendamment de divergences que nous avons gagnées, et c'est justement parce que nous avons divergences qu'il y a besoin de chita pour que nous posions des problèmes et puis pour nous joindre des solutions. Et heureusement, moi, apprendre à travers vice-président comité, docteur Desgrange, que les travaux ont continué et dans des tours, M. Vince Paul, qui était gon malaise, mais bah, c'est tout bas ça résoudre. Et comité a continué le travail, et l'a travail d'après ça moins apprendre. Donc, je pense que tout Haïtien a besoin de protocoler pour que dialogue ça capable de faire, et pour bien payer, état généreux capable de faire, pour que nous gagnions, nous capables d'entendre nous sur un certain nombre de mesures, de dispositions qui vont prendre dans le pays. De grandes décisions qui vous prend pour que définitivement nous prend nous fait courbe ça vers le développement, courbe ça la divers yo Haïti côté petit pays a capable vraiment joindre bien-être que l'a cherché. N'a pas poursuivre yon l'autre bord, ministre Kilti à communication Joseph Guilherme Delva annonce plusieurs activités qu'il tirait là avec événements qui pral fait en dans tout pays dans l'idée pour capable valoriser patrimoine qu'il tirait là avec site touristique en dans pays d'Haïti. Daline Dorival tous ses frères sont sur place à nous suivre un extrait. Moi m'a dit triomphe fermé depuis combien de temps ou gon cop qui investit dans triomphe ça comme si nous pas un pays pas arrêter la assistance gaspillage comme ça. Triomphe faut fonctionner. Par exemple, brise pour pas fonctionner, faut triomphe qui a fonctionné. Par exemple, il y a que ceux qui sont gentils. Il y a pile monde dans pays là qui pas gain loisir là qu'on y a là. On a déjà annoncé chaque dimanche sur ceux qui sont gentils a bien activité. Nous on doit jouer une danse, on doit jouer un film, on doit jouer et on doit concert pour les nationales, faut faire parler national que doit jouer. Nous avons une bande de nous avons l'école une amie qui est dans Mirbalè, c'est de jeunes qui vraiment compétent. Ils viennent jouer là. Chaque dimanche, à partir du dimanche 27 mai. Chaque dimanche,
a bien activité sur le cœur sociétal. Mais qui ça prend nous? C'est pas coûter une fortune. Mais il suffit qu'on réfléchisse pour faire. Par exemple, pour un concours de talent à travers le pays, ça coûte nous qu'une nouvelle. Pour tout jeune, pour une compétition, quoi, tout jeune a cherché, mettez en position pour être capable de gagner. Mais ça n'a pas coûté rien. Par exemple, qui ça coûte pour nous faire un concours de danse traditionnelle dans le pays? Nous pourrons mettre un buste Nemou Jean-Baptiste sur Place Sainte-Anne, côté de faire premier concert lit. Ok? Et puis, nous avons fait un bel concert avec des groupes pour nous honorer Nemou Jean-Baptiste. Nous avons fait soirée tout pour nous honorer des gens dans le pays, pas jamais remercier. Nous avons fait le festival de l'été. Ça ne m'a pas dit plus sous lui, parce que ça se bat red net, le festival de l'été qui est au festival itinérant, côté de plusieurs côtés dans le pays, il y a pas de festival de l'été. 14 août, dans le Bois Caïman, un gros événement dans le Bois Caïman. Côté de la mettre un statut tout de bookman. Nous avons mettre des bagailles, des événements comme régulièrement, côté pour jouer, pour le peuple là, revaloriser la culture. N'a pas quitté le ministère de la communication, nous prenons le Parlement haïtien pour nous faire connaître la commission économique et finance Sénat République. Là, je t'ai parlé mardi 8 mai avec le ministre économique et finance Jude Alix Patrick Salomon, qui était avec le ministre de la planification et coopération externe, M. Aviol Florent, sous question dossier budget rectificatif là, avec dépôt budget 2018-2019 là, qui était dans la mi-temps discussion si là. Président commission sénateur Jean-Rigaud Bélizière fait connaître yo rivé entendre pour gouvernement avant yo rivé entendre pour gouvernement déposer un budget rectificatif avant longtemps côté parlement a bien pour travail sous les n'a pas vite suivre un bout dans déclaration question budget rectificatif et budget 2018-2019 là qui en préparation côté que nous te font chita n'a discuter avec ministre concerné yo pour nous comment nous t'a faire un inter-échange pour nous gagner des explications qui permettre nous avancer beaucoup plus rapidement et pour permettre population à joindre plus d'explications sur le budget pour que c'est pas les budgets fin voté et puis les sorts pour attendre tel secteur pour dire qu'il n'y a pas informé, tel secteur pour dire que le budget ça son budget criminel. Donc à partir de communication nous pour établir entre nous et nous promettre pour nous discuter avec le secteur privé, avec tous les acteurs et au niveau national en façon pour que les budgets arrivent voter au niveau du Parlement pour ne pas faire autant de parler en pile, même gens que nous connaissons le budget passé à fait là. Donc éventuellement, on connaît le budget 2018-2019, nous avons un délai 30 juin pour le déposer. Le budget rectificatif là, nous passons dans une semaine, nous avons déposé au niveau Parlement pour que nous fassions travail. C'est pour mettre ça. Sobopal, ministre économie et finance, Jude Alix Patrick Salomon, fait connaître, c'est la loi qui fixe comment prix gaz là doit ajuster sur marché local là. Gouvernement a gagné pour les capables faire appliquer la loi d'après ministre. Ministre Salomon parle de si oui ou non gaz là prend monter sur marché local là. Toutefois, il déclare c'est la loi qui a gagné pour capable respecter. À nous suivre extrait dans la déclaration de Miko Fedner confident avec Moïse Ulbrich. Nous juste considérer que la loi fixée qui j'en pour prix gaz fixé. Nous juste constater. Vous dites considérer comme ça, vous développez pour nous, monsieur le ministre. Non, la loi fixée qui j'en pour prix gaz, qui j'en pour établir prix gaz dans le pays. Est-ce que ça va monter? Est-ce que ça va monter? Non. Moi, je question vous posez d'abord, est-ce que nous respectons la loi j'en prix gaz à fixer? Ben d'accord. Nous pas respecter la loi qu'on y a parce que prix pour gaz a il pas pris ça. D'accord. Ça veut dire prix gaz a pas augmenté. N'a pas l'appliquer. Nous t'a souhaité appliquer la loi. On budget le rive dans face ça, n'a pas discuter avec le parlement d'abord. Et puis après ça n'a discuté avec acteurs économiques, le syndicat aussi fait partie d'acteurs économiques autour. Oui, mais exact, mais syndicat en général yo c'est des représentants de groupes organisés de sociétés. D'accord. Explosion sociale, vu la situation pays. Bon, l'idée c'est que gouverner, loi gouverner, avant décision, yo toujours prendre en compte ensemble paramètres. Il y a des paramètres économiques, il y a des paramètres sociaux, il y a des paramètres qui sont des paramètres politiques. Et donc,
quelque part gagner en prise en compte globale qui bien pour faire et puis les décisions doivent être prises en tant élu. Ministre Finance là Jude Alix Patrick Salomon fait connaître gouvernement peu gain pour déposer un budget rectificatif devant parlement haïtien qui prend en compte réalité économique là. Ministre Salomon encourage parlement pour capable pencher sous budget si là pour répondre à plusieurs demandes. Yon l'autre bon ministre Salomon annoncé gouvernement peut travailler pour capable respecter dès le 30 juin pour déposer budget rectificatif budget exercice de fiscal 2018-2019. Nous te présenté ici hein, pour nous discuter quand Jean et honorable président commission a dit de budget rectificatif là, et de budget prochain exercice. Le budget rectificatif là, est-ce que a bien, et le budget prochain exercice, est-ce que n'a respecté délai? Donc dans les deux cas, nous te répondons par l'affirmative. Donc, nous avons pris dans le sens pour nous déposer le budget rectificatif là, dans un délai très court, tout en considérant ça, le président dit en communiquant pour que nous soyons capables d'expliquer les paramètres fondamentaux qui sont dans le document. Nous avons gagné une entente, par exemple, avec le pouvoir judiciaire pour que nous alignions et pour que nous gagnions des équipements suffisant pour eux-mêmes qu'à fonctionner pour que la justice puisse se projeter et assumer et mieux assumer ses missions. Nous avons gagné des impératifs liés aussi à la diplomatie et tant d'autres. Donc c'est des impératifs qui déjà constatés et qui pourraient mener nous vers un budget rectificatif. N'a toujours été soumis à un parlement haïtien, sénateur Roesla, Antonio Cherami, fait qu'on n'est pas d'accord avec l'idée du budget rectificatif gouvernement annoncé, qui pourra le déposer devant parlement haïtien. Parlementaire a demandé collègues pour pas voter budget rectificatif là sans yo pas gagner détail sur façon budget initial là commencer dépenser. Un extrait dans déclaration de micro Fedner confident avec Moïse Ulbrich. Tout le monde connaît, 30 juin, c'est date limite et pour déposer le budget initial. Là. Projet loi de finances. Oui, oui, projet loi de finances. Eh bien, je dis, qui ça qui passe? Nous, et on prévoit, on va le déposer un budget rectificatif et le ministre des Finances même prévoit qu'il a prévisé à la hausse. Eh bien, je dis, on ne peut pas ici, on vient parler avec nous. Pour me dire, budget ça. Jusqu'à côté m'a parlé avec nous, pas un député, pas un sénateur qui kadou yo gen contrôle comment monsieur dépenser l'argent ça. Pour qui ça? Yo pas tout fait un budget rectificatif depuis après et crise et qui t'est passé nous tout connaît qui crise était. Ça c'est point que me penser jodi a faut que nous même peuple haïtien pour nous chita pour nous réfléchir. Débat aura poursuivi dans le Forum international Femmes élus pays d'Haïti qui a déroulé dans l'hôtel Caribé hier mardi 8 mai. Dans le cadre du forum qui a duré deux jours, il y a plus passé 2000 femmes élues sous tout département qui viennent participer. Plusieurs personnalités femmes dans le pays, parmi eux Mirna de Maninga, Marie-Laurence Lasseg, Marie-Hélène Gilles, intervenaient sous différents thèmes qui sont utiles pour avancer dans la carrière politique. Président de la Fédération nationale Femmes magistrats haïtiens, heureuse. La petit frère Saint-Ville, dans le cadre d'une interview, il a accordé à la presse dit qu'il est satisfait. Magistrat Kaya dit à travers résolution et cap soutien à forum, ça y a demandé l'État ici en cadre de femmes élus dans le pays. C'était un bon bagage parce que nous avons engouement, mesdames, ça a gagné pour une fois pour toutes pour nous mettre nous ensemble. Rive Chita pour nous venir tendre aînés nous yo des femmes tankou madame Odette Wafonboin qui était là ensemble avec nous pour nous tendre madame Marie Laurent Jocelyn Lasseg pour nous tendre madame Adine Chancy qui était là ensemble avec nous pour nous tendre mairesse du Canada qui était déplacée ambassade de France toutes l'autre amis qui était venu assister lancement forum ça et une résolution que nous pas sorti sans encadrement pour mesdames yo. Programme Kaipama Kleré continue à faire chimeler dans zone qui est pire qu'il est dans le pays d'Haïti. Pendant le week-end passé, un citoyen dans la localité communale Terrier Rouge bénéficie d'appareils pour capable mettre lumière dans la caillou. Nous suivons un reportage avec Anna Marguerite Auguste à Kevin Pierre.
Distribution appareil sa yo fait partie programme politique administration président Jovenel Moïse là dans domaine énergétique pour mettre courant kay tout monde qui vit dans zone reculée en dedans pays a. Directeur général Agence nationale sécurité énergétique là Evenson Calix dans occasion on rappelé programme ça c'est permettre monde qui vit dans section rurale yo côté qui pa gen infrastructure EDH gen courant la kay yo même gens ak monde qui vit dans ville yo. C'est une démarche qui participait dans GIFOC a fait pour améliorer les conditions de la vie monde qui vivent en dehors. Le système ça que nous installé fait partie d'un programme beaucoup plus général qui est le programme électrification paysan qui a trois volets là-dedans. Le pays a déjà 10 réseaux séparés. Réseaux séparés ça c'est réseau nord-ouest, réseau nord-est, réseau grand nord, réseau nord, réseau centre-ouest si on regarde comme ça et réseau l'ouest, c'est-à-dire réseau jeune métropolitaine. Tout réseau ça va le réhabiliter et nous va augmenter la capacité de production là-dedans. Député Terrier Rouge là salue l'engagement président Jovenel Moïse prend en faveur monde qui vivent dans zone reculée yo. Permettre pour l'humain kay moun sa yo c'est aider à transformer la vie yo et puis participer dans efforts à faire pour augmenter économie yo. D'après parlementaire programme kay pam clairia pral faciliter ti moun yo étudier plus bien bay plus bon résultat dans l'école yo. Zone côté nous yé là eh bien l'État central, longtemps, par contre, habitué, travaille dans la zone Zayo. Je ne j'en dis, grâce à président Jovenel Moïse, population Grande Savane, sorti satisfait. Population Grande Savane, senti que y'en a pouvoir. Population Grande Savane, ouais, vote yo pour la première fois, yo voté au monde, et vote là tourné vinn joine yo sous forme de service. Bénéficiaires yo exprimé satisfaction yo pour accompagnement ça qui pral changer condition la vie yo. Yo remercie équipe qui sous pouvoir qui mettait sous pied programme ça dans toute zone reculée en dedans pays a. Ça montré pas gain aucune discrimination dans décision président Jovenel Moïse a prend dans travail développement durable pays a. Nous en fait noir en pile cette petite balle nous te qu'on acheté ça un bel bagage lié bien content. Et si tout ancien passé te qu'on fait ça mon cher Dolval t'a changé mais connia il retire nous dans baleine il était nous acheter petit gaz il ban nous pas nos lampadaires pour nous servir. Nous sentons nous très content parce que et nous disons un gros coup de remerciement pour président Jovenel parce que depuis bien longtemps nous pas jambe qu'on travail ça yo et ben journée aujourd'hui bon Dieu fait nous jeune bon bail connia nous dit merci pour ça. À l'âge que moi réveillé c'est première fois que moi ça fait et pour c'est pour moi va tout moi nous commencer vraiment vivre dans un monde qui me ca vivre. Nous avons acheté gaz, nous pas acheté gaz encore. Qu'on y a la nouvelle lumière, ça veut dire qu'on y a la nous sommes bon. Moi ça moi content pour geste que gouvernement Moïse Jovenel a utilisé avec peuple haïtien dans Nord-Est parce que c'est une grande occasion parce qu'il est capable de dire dans temps passé yo nous pas joindre ça. Programme Kaipam Kleria, c'est une promesse électorale président Jovenel Moïse t'a fait après constat li t'a réalisé pendant 24 mois li t'a marché dans pays a dans cadre campagne électorale li. Moun yo remercie chef l'état pour matérialisation promesse ça qui pas mette personne sous côté. Bénéficiaire yo mandé chef l'état pour penser à l'autre problème section communale yo a fait face. Merci à Anne-Marie Autoguste et puis Hervé Pierre qui t'a présenté nos comptes rendus ici là. L'autre information dans le journal là, sur l'initiative Institut Haïtien Énergie et puis Chambre Commerce et Industrie Haïtienne au Canadien, directeur général Autorité Nationale Régulation Secteur Énergie, Evenson Calixte, présenté par différents acteurs dans le secteur énergie en Haïti, mardi 8 mai à Rouen, nouveau institution ici là. Selon ingénieur Calixte, annoncé gain pour mission pour des solutions à quel problème énergie électrique là fait face dans le pays d'Haïti. Général Bika Seyus avec Rémi Godjuta présenté nous en compte rendu à nous suivre. Rencontre ça, c'est occasion pour directeur général Autorité Nationale Régulation Secteur Énergie ANRC présenté par investisseurs au plan l'État gain pour mettre courant tout côté dans le pays. Selon ingénieur Evenson Calix, plan ça chita sous trois volets. Il y a volet réseau national là, qui c'est gros réseau, grande agglomération. Il y a volet si réseau pitio qui c'est mini réseau et yo aux alentours de d'une centaine et pour gagner gros réseau maintenant dans quatre processus ça déjà fait déjà autorité nationale régulation secteur dans pays hein lancé déjà un appel pour petit réseau ça maintenant pour Port-au-Prince pour un vaste et mouvement qu'on fait dans Port-au-Prince quand j'ai présidenté annoncé pour nous réparer
pour nous réparer le réseau de transport là, pour nous améliorer, pour nous réparer les sous-stations et pour nous ajouter et l'autre ligne de transport pour nous assurer nous que la région métropolitaine là, que nous capable de faire écouler sous l'île 400 MW. À travers des massas, le gouvernement compte encourager l'exploitation d'énergie renouvelable en Haïti, faciliter plus de monde dans le secteur privé à investir dans la production, distribution et commercialisation courant, et puis améliorer la performance technique et financière électricité d'Haïti, EDH. Ça me constate, c'est que le projet de représentation de réseau qui est extrêmement désuet. On a besoin de 200 millions de dollars pour réparer toute sous-station. Ensuite, pour mettre une nouvelle ligne de transport pour capable accueillir la charge là. Et puis pour intégrer une nouvelle technologie là-dedans. Parce que nous disons ça, nous-mêmes, nous n'avons pas de réseau intelligent parce que en 2018, nous avons fait un réseau à Jean-Té fait il y a 250 ans. C'est ça que nous avons besoin de câbles qui est capable de capacité pour gagner un réseau de télécommunications sur lui, puis bon petit côté pour tes data, données, en même temps aussi pour tes lignes pour alimenter mon. Et le réseau de distribution est dans conditions très critiques, côté grand pile et structure qui est défaillante, c'est ça que nous dit que nous évaluons déjà, nous allons procéder à réhabiliter, parce que ça a besoin de mon démon. Il faut que nous patients, fait travail là, en pile là, mais nous travaillons chaque jour, mon Dieu, mettez pour nous, capable de rassurer que nous avons fait, et nous demandons mon et pour les patients. D'après le directeur général ANACEA, il y a 42 compagnies privées qui déjà répondent présents à l'appel d'offres institutions ont été lancées pour inviter entreprises qui souhaitaient produire avec vente courant en Haïti faire ça. Société nationale la Croix-Rouge haïtienne a organisé une journée porte l'ouvrir hier mardi 8 mai en occasion célébration journée internationale mouvement Croix-Rouge là. Activité ça qui déroulé sous thème partout pour tous vise sensibiliser population sur importance à quoi le mouvement Croix-Rouge là. Lionel Jean-Louis et Henri Robert Chéri a présenté nos comptes rendus à nous suivre. Il y a des plusieurs centaines parmi eux volontaires, élèves et divers autres cadres dans le centre de formation Croix-Rouge haïtienne Nantes présent journée porte ouverte ça côté diverses activités été réalisées pour marquer date 8 mai tant coup exposition livre exposition matérielle de communication et sensibilisation. Président Croix-Rouge haïtienne Guito Jean-Pierre t'a profité expliquer rôle et importance Croix-Rouge en dans pays a montrer que Croix-Rouge a fait davantage respecter diffuser faire connaître les principes l'homme dit Croix-Rouge le mouvement Croix-Rouge les principes fondamentaux une des principes qui plus important pour nous c'est le principe d'humanité. Ça veut dire chaque côté gon monde qui est malade, chaque côté gon monde qui a souffert, chaque côté gon accidenté attend nous que quel que soit côté dans le monde entier gon volonté Croix-Rouge qui répond à l'appel pour venir dehors. La mission de la Croix-Rouge a s'est élargie mais par contre les fondamentaux pas jamais changé, il était Jean Roya impartialité, humanité, neutralité, indépendance, volontariat. Yo pas jamais changé mais nous là en ça surtout nous renouveler principe encore thème encore nous tout côté pour aider tout le monde mais nous là nous allons le faire avec un sourire. Président Croix-Rouge haïtien Guito Jean-Pierre souligne difficulté institution a rencontré pour arriver à accomplir mission particulièrement dans joindre sang pour venir en aide à population en les urgence. Cependant les promettre Croix-Rouge a continuer supporter toute activité humanitaire dans mitan société a surtout bon côté monde qui peut vivre les rabio. Tout que nous avons besoin, nous avons besoin fondamental que nous avons confronté le pays, nous avons besoin, c'est la question de sang. Parce que nous avons un problème de, assez souvent, nous n'avons pas sensibilisé assez pour contribuer à le bas sang. Donc nous profiter de journée ça, non seulement pour nous mettre en branle toutes les ventes et activités que nous faisons, mais également pour nous davantage sensibiliser le monde pour vivre le bas sang. Parce que ce n'est pas l'or qu'on a besoin. Pour le baissant, c'est un acquis pour faire spontanément pour constituer un donneur altruiste. Ce n'est pas pour monsieur X ou Y ou Bailey pour aider n'importe quoi. Parce que même tout l'ordre dans le besoin, nous même tout n'avons répondu à besoin. N'a pas rappelé où, choix date 8 mai pour célébrer journée mondiale, mouvement Croix-Rouge là, gain rapport avec date anniversaire naissance Henri Dunant qui était créé Croix-Rouge international dans l'année 1863.
Nous sommes déjà arrivés dans le moment pour nous aller dans l'actualité internationale là pour nous faire connaître une nouvelle relation, une nouvelle révélation qui fait plutôt dans le cadre d'enquête qui t'emmène dans le dossier ingérence pays la Russie dans le cadre de la dernière élection américaine. Pour nous, Michael Cohen, ancien avocat président américain Donald Trump, a une accusation qui est tombée sous dos comme qualité à recevoir l'argent. Il valait $600,000 américains, mais il y a des Russes juste après l'élection américaine. Il n'a pas envie de suivre. Un reportage avec le News. Aux États-Unis, l'avocat de Stormy Daniels, la star de film X, qui aurait été payé pour ne pas dévoiler une rencontre sexuelle avec le président américain, a révélé mardi de nouvelles accusations. Michael Avenatti affirme que l'ancien avocat de Donald Trump a aussi reçu $500,000 d'un milliardaire russe après l'élection du président américain. Ces accusations s'inscrivent dans le cadre de l'enquête sur l'ingérence de Moscou durant la campagne électorale. Ce rebondissement judiciaire n'arrange pas les affaires de Michael Cohen, l'ancien avocat de Donald Trump, dont les bureaux ont déjà été perquisitionnés. Quant à l'homme d'affaires russe impliqué dans l'enquête, il s'agit de Viktor Vekselberg, patron du groupe russe Renova, déjà sanctionné début avril par Washington. Et nous te disons dans grand titre, c'est deuxième visite en secrétaire d'État américain Mike Pompeo en Corée du Nord. Visite sa fête dans le cadre de rencontre qui prévoit fête entre président américain et dirigeant nord-coréen. Euronews pour plus de détails. Il n'y a pas que l'accord nucléaire iranien qui agite les Américains. Le chef de la diplomatie américaine, Mike Pompeo, est arrivé à Pyongyang, en Corée du Nord. Une visite non annoncée, la deuxième en à peine quelques semaines. Mais sa première en tant que secrétaire d'État pour préparer le tête-à-tête inédit entre son président Donald Trump et le dictateur nord-coréen Kim Jong-un. Une tâche qui s'avère complexe, d'autant plus après le retrait de Trump de l'accord conclu en 2015 avec l'Iran sur son programme nucléaire. À présent, il sera plus difficile de convaincre Kim Jong-un de renoncer à ses armes atomiques. Cette visite survient aussi alors que les rumeurs de libération imminente de trois ressortissants américains qui sont détenus en Corée du Nord se multiplient. N'a pas toujours été une actualité internationale pour nous faire connaître. Le président américain Donald Trump a confirmé que les retirés colis n'ont causé accord nucléaire sous Iran. Pour qu'il y ait un prêt, les permettre de suivre un reportage avec Euronews dans le débat pour permettre de bien informer de qui ça accord nucléaire iranien lui-même vient la dernière. Today is an historic day. Le 14 juillet 2015 à Vienne, après 12 ans de crise et 21 mois de négociations acharnées entre l'Iran, les cinq membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU et l'Union européenne, un accord historique est conclu. Les négociations avaient commencé en 2003 avec l'Union européenne, mais faute d'avancée en 2006, l'Agence internationale de l'énergie atomique saisit l'ONU. De 2006 à 2014, l'ONU adopte 10 résolutions imposant des sanctions économiques contre l'Iran. Objectif, faire cesser son programme nucléaire controversé. Ces sanctions, qui visent notamment les échanges bancaires et l'industrie pétrolière, sont alourdies progressivement et affaiblissent l'économie du pays. En 2013, avec l'arrivée au pouvoir du président Hassan Rouhani, l'Iran déclare sa volonté de mettre un terme au dossier nucléaire. Les ministres des Affaires étrangères de trois pays européens, plus la Chine, la Russie et les États-Unis, multiplient alors leurs efforts pour arriver à un compromis. C'est l'accord de juillet 2015, considéré comme une solution gagnante-gagnante qui satisfait toutes les parties. Le but est de rendre quasiment impossible pour l'Iran de fabriquer une bombe atomique tout en lui assurant le droit de développer une filière nucléaire civile. Cet accord ouvre la voie à une levée partielle des sanctions internationales. En échange, Téhéran s'engage à réduire les stocks d'uranium faiblement enrichi de 98% pendant 15 ans. L'enrichissement de l'uranium est limité à 3,67%. L'Iran doit réduire le nombre de ses centrifugeuses en activité et s'engage à ne pas dépasser ce nombre pendant 10 ans. La capacité d'enrichissement est limitée à l'usine de Natanz. Enfin, un seul type de centrifugeuse de première génération doit être utilisé. Téhéran accepte également de modifier son réacteur à eau lourde d'Arak de manière à rendre impossible la production de plutonium à usage militaire dans cette installation. Selon les termes de l'accord, l'Iran accepte également le déploiement de 150 inspecteurs de l'AIEA. Ils sont chargés de contrôler tous les sites nucléaires iraniens.
L'arrivée au pouvoir de Donald Trump menace cet accord. Pour le président américain, il doit être abrogé ou complété par d'autres mesures restrictives. Il estime que la levée des sanctions permet à l'Iran de poursuivre sa politique dans la région du Golfe Persique, en Syrie, au Yémen et en Irak. Il menace ainsi les intérêts des alliés des États-Unis, notamment l'Arabie Saoudite. Donald Trump veut inclure le programme balistique iranien dans l'accord nucléaire, car même si Téhéran respecte les mesures restrictives au cours des 15 prochaines années, il peut développer ses missiles balistiques. Voilà, et c'est là toujours dans la cabane pour jeudi. Mais juste avant nous aller, nous rappelons un point qui était fait essentiel pour jeudi, mercredi 9 mai 2018. Là. Ministère Culture et Communication Joseph Guiller-Sius Delva a annoncé plusieurs activités culturelles et événements réguliers qui pourraient faire dans tout le pays pour capable de valoriser le patrimoine culturel avec un site touristique. Mais santé profiter et encourager tout le monde, comité pilotage, état général, sectoriel pour mettre tête ensemble. Commission économie et finance Sénat République la Chita Palaye mardi 8 mai avec ministre économie et finance Jude Alix Patrick Salomon et ministre planification et coopération externe Aviol Florent sous budget rectificatif 2017-2018 là avec dépôt budget 2018-2019 là. Forum international la femme et les pays d'Haïti qui tapent déroulé dans Pétionville rive nan boutli ayer mardi. Plus passé 2000 femmes élites qui sont dans différents départements pays d'Haïti participer dans discussion yo. Et puis à l'étranger, chef diplomatie américaine Mike Pompeo fait une visite en 9 mai en Corée du Nord dans l'idée pour capable préparer un contact historique qui prévoit fête entre président américain Donald Trump et dirigeant nord-coréen Kim Jong-un. Et c'est là, journal la revenant beauté nous t'es content ensemble avec vous pour t'es capable présenter tout élément d'information ça yo l'irriter seulement pour capable souhaiter passer un très bon mercredi et qu'a dit t'es content ensemble avec vous bon mercredi à vous même. Merci Ruben et très bon mercredi à vous même. On va croiser dans une prochaine sortie téléjournal là et quand à vous même téléspectateur et téléspectatrice télévision nationale Haïti n'a pas souhaité passer une très bonne journée de mercredi mais surtout restez branchés télévision puisque information à paix continue sur télévision l'état.